Alléluia, merci Jésus. Gloire à toi, seul Seigneur, merci mon Dieu, alléluia.
Voilà, et chers amis en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Nous bénissons bon Dieu pour grâce qu'il fait nous, pour le privilège et accorder nous, et que matin nous sommes capables de la présence pour nous faire service. Non béninol pour amour, non béninol pour compassion, non béninol pour diverses grâces, diverses bénédictions que l'accorde nous. Et que ce dimanche, nous sommes capables de la présence li pour nous faire service. Li. Non dit merci pour ça. Non dit mon Dieu merci parce que dimanche dernier, nous sommes en présence li pour nous faire service. Li. Et ce dimanche encore, nous là dans sa présence pour nous faire service. Li. Nous saluons chacun de nous dans le nom de Jésus. Et c'est toujours votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Garry Bonheur, qui souhaitait à chacun de nous la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, souhaitez nous également une très bonne participation. Moi, j'espère que nous jouons assez d'intelligence, assez de grâce pour que nous soyons capables de comprendre le sujet ça et que nous soyons capables de faire exactement ça sujet à demander nous pour nous faire. Alors, dimanche dernier, lors de notre dernière présentation, nous avons enseigné un très bon sujet titré « Christ notre Pâque ». Parce que c'était le premier dimanche que oui, le dimanche Pâques. Nous avons une ligne d'enseignement que nous avons suivi qui c'est les âmes du chrétien. Nous avons obligé de couper les âmes du chrétien pour nous capables enseigner Christ notre Pâques. Mais aujourd'hui, bon Dieu permet que nous retournions dans le sujet principal non, qui c'est Christ notre Pâques et qui c'est de préférence les âmes du chrétien. Et ça me souhaitait, c'est que mon Dieu, chacun de nous, yon lot de grâce, yon lot de bénédiction à travers un sujet ça nous peut traiter. Nous te gantangen yon premier partie l'enseignement, partie 1, les âmes du chrétien. Jodia, nous vini pour nous prendre, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Christ, yon lot partie dans sujet. Yon lot partie dans sujet qui c'est les âmes du chrétien, nous allons le partie 2 parce que nous avons déjà pris la première partie. Si bon Dieu permet ça, dis-moi si Dieu veut, nous sommes capables de prendre l'autre partie. Non, présentation, première partie sujet à les âmes du chrétien. Bon Dieu te permet, mes chers amis, mes chers bien-aimés, que nous cherchions origine grecque et hébraïque du mot âme. Nous te voyons qui type d'âme qui existait, nous avons deux types d'âmes. Nous avons les âmes charnelles et les âmes puissantes ou les âmes de Dieu ou les âmes du chrétien. Nous avons montré en ce qui concerne les âmes charnelles que les divisées en deux, c'est-à-dire qu'il y a deux âmes charnelles. Il y a les âmes charnelles offensives et les âmes charnelles défensives. Nous avons aussi il y a des âmes charnelles
défensives antiques et les armes Chanel défensives modernes, comme de même nous avons vu qu'il existait des armes Chanel offensives antiques et les armes Chanel offensives modernes. Après, nous avons la deuxième catégorie d'armes, c'est plus important pour nous dans le cadre du sujet, qui c'est les âmes puissantes ou les âmes spirituelles ou les âmes du chrétien. Les âmes, ça est divisé en deux catégories également, en âmes défensives et en âmes offensives. Par la suite, nous avons posé une question à laquelle nous avons accordé une réponse superficielle. Qui question était-il? Question c'était à quoi servaient les âmes du chrétien? On te barre une réponse superficielle et à travers réponse ça, nous démarrer avec partie de sujet qui c'est les âmes du chrétien numéro 2. Maintenant pour nous démarrer sujet là, nous avons un plan nous allons adopter. Plan nous allons adopter qu'est-ce qui s'allie? Un, les âmes puissantes ou les âmes du chrétien. 2. Utilité des âmes du chrétien. Si chrétien a des âmes, à qui sa âme sa yo utile? Troisième partie en dans sujet pour aujourd'hui. Nous allons étudier renverser les forteresses. Quatrième point, nous allons débattre renverser les raisonnements. Et cinquième et dernier point, nous allons aborder c'est renverser toute hauteur. Je reprends. Sujet nous pour aujourd'hui. Nous allons débattre là, nous allons suivre un plan. Et plan ça, nous définir ainsi. 1. Les âmes puissantes ou les âmes du chrétien ou les âmes spirituelles. 2. Utilité des âmes spirituelles. 3. Renverser des forteresses. 4. Renverser des raisonnements. 5. Renverser toute hauteur. Si bon Dieu fait nous grâce, c'est plan ça nous pral développer pour jodia l'enseignement. Alors, rapidement on va entrer dans le premier point qui c'est les âmes du chrétien. Mes chers amis, selon une classification d'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, là prend verset 13 au verset 18. C'est là nous joignent question les âmes du chrétien. C'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 du verset 13 au verset 18 nous trouvons les âmes du chrétien. Pour cela, nous prenons le texte yo pour être capable de découvrir, identifier très bien les âmes du chrétien. N'a pas pour nous tous aller ensemble avec nous dans Éphésiens chapitre 6 verset 13 pour nous boucler dans verset 18. Éphésiens 6 verset 13 pour nous arriver dans verset 18 là. Mais espérons nous gardons ouvrir Bible non et nous gardons un texte ensemble avec moi. En aller. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez
pour tous les saints. Dans le texte, nous lit là, Éphésiens 6, verset 13 à 18. C'est là-dedans nous joignent question les âmes de Dieu ou les âmes spirituelles ou les âmes du chrétien. N'oubliez pas que le premier enseignement, c'est les âmes du chrétien. Nous disons, selon une classification de l'apôtre Paul, nous trouvons les âmes du chrétien dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, du 13e au 18e verset. Alors, dans verset 13 là, mes chers amis, chers bien-aimés en Christ, chers étudiants, il est question de toutes les âmes. Si dans le livre verset 13 là, dans le commencement d'Apoël, Paul dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Donc c'est clair, dans verset 13 là, il est question de toutes les âmes de Dieu. La question que nous devons nous poser, quelles sont les âmes de Dieu? Puisque Paul dit nous, dans verset 13 là, prenez toutes les âmes de Dieu. C'est un bon titre, c'est un juste droit que nous nous posons cette question. Quelles sont les âmes de Dieu? À noter que, mes chers amis, les âmes de Dieu sont aussi les âmes du chrétien. Puisque les chrétiens sont des serviteurs de Dieu, donc les âmes de Dieu sont aussi les âmes du chrétien. Mais avant tout, c'est-à-dire avant de répondre à une question, ça, quelles sont les âmes de Dieu, avant d'identifier, nous parler, ouais, comment je traduis en grec l'expression toutes les âmes. Puisque Paul dit nous prenez toutes les âmes de Dieu, pour nous comprendre bien ça n'a dit là, ça n'a fait là, pour nous comprendre cette réalité, nous pourrons aller voir comment il traduit à partir du grec l'expression toutes les âmes. Nous ne pas le traduire, nous ne pas chercher dans le grec comment il traduit âme, nous te fait ça déjà dans le premier enseignement. Ça est deuxième série on apprend là dans la première série là, nous t'es allé à partir du grec, nous ouais, le mot âme vient de hoplon. Hoplon, H-O-P-L-O-N, hoplon. Maintenant, dans le texte, il est question de toutes les âmes de Dieu. Notre démarche consiste à traduire d'abord en grec l'expression toute âme. Rapidement, on a fait exercice là. Nous dit expression ça, qui c'est toutes les âmes, non? Les traduit par un seul mot. Un seul mot grec qui traduit toutes les âmes. Il traduit par le mot panoplia. Panoplia. P-A-N-O-P-L-I-A. C'est le mot grec panoplia. C'est lui-même utilisé pour traduire toute expression, toutes les âmes. Alors, qui ça panoplia lui-même le signifie en français ou même en créole? Panoplia le signifie toutes les âmes, il signifie l'armement complet. Lorsqu'on dit panoplia, ça veut dire c'est toutes âmes, il signifie également l'armement. Donc, une nation qui est en guerre à une autre nation, elle est obligée à mettre de toutes âmes pour capter la guerre. Si on dit ça en grec, on va dire hoplon, parce que hoplon c'est pour traduire une âme, ou encore pour traduire l'âme, mais toutes les âmes, cela se traduit en grec par panoplia. Donc, panoplia signifie toutes les âmes, il signifie l'armement complet. Si nous apprenons un soldat romain, par exemple, pourquoi nous disons soldat romain? Parce que lorsque l'apôtre Paul tape écrit texte, c'était donc la Rome qui t'a exercé pouvoir, qui t'a exercé autorité sur le monde. C'était l'Empire romain. L'Empire romain à cette époque, c'était le plus grand empire du monde. Et c'est le quatrième animal là dans la liste des quatre animaux de Daniel. L'Empire romain, c'est le quatrième animal là. Donc c'est lui-même qui t'a régné dans l'époque ça. Dans l'époque Paul, t'es sur la terre. Dans l'époque Jésus, t'es sur la terre. C'est pourquoi lorsque il a présenté l'armement complet d'un soldat, il
considéré à partir de gens, yon soldat romain, le plus souvent était qu'on habillé, était qu'on préparé pour la guerre. Donc, l'armement complet, qui ça nous jeune là-dedans? Nous jeune bouclier, nous jeune épée, nous jeune lance, nous jeune casque, nous jeune jambière. Jambière lui-même, son, l'aime parler de jambière. Jambière, c'est une sorte de vêtement qui sortit de pied mounant pour lui faire juste dans jambe lui. Je dis à pas presque utiliser thème jambière là, il utilise thème et guette. Mon a de gon guette na pile. Guette là, soldat utilise le monde capte avec dans la boutou par exemple, yo kon met ton guette na pied pour protéger pied pour radio pas sale. Et me rappeler même te kon faire cordonneur longtemps et dans les pour les écoles, et ben te kon utilise un guette na pied. Et de kon met guette, donc mon ça que les guette pas bien. Mais aujourd'hui, longtemps yo relé ça jambière. Donc c'était pour protéger soldat, protéger pied. Si vous avez un coup d'épée dans pied, par exemple, un coup de flèche, eh bien, jambière, il t'a protégé. Vous voyez ça, jambière. Aujourd'hui, il y a tendance à remplacer le mot jambière par le mot guêtre. Alors, nous disons l'armement complet qui s'amène là-dedans. Nous disons nous joignons l'épée, nous joignons la lance, nous joignons jambière, nous joignons casque, nous joignons bouclier. Nous jouons le armement les pectoral. Pectoral là, il est également cuirasse. Donc, c'est ensemble d'éléments ça, yo, soldat, yo te kon habillé. Donc, un soldat qui va en guerre doit porter toutes ses armes, c'est-à-dire panoplia. Il porte toutes armes, yo, complet sous yo, parce que yo pral dans la guerre. De même qu'un chrétien qui va engager un combat spirituel, ce chrétien-là doit s'armer de toutes ses armes. Avec toutes armes, ça eux et l'île, panoplia. Chrétien pas gen pour amener avec une âme qui c'est au plomb, mais il pour amener avec toutes armes. Toutes armes. D'où la question est de savoir quelles sont les armes du chrétien. Ces questions sont déposées, c'est nous d'après répondre. Mais avant, nous jouons le texte qui parle de nous pour nous prendre toutes âmes. Nous devons voir ça dans Ephésiens chapitre 6, verset 13. Eh bien, il est question de toutes les âmes aussi en Ephésiens 6, le verset 11. C'est-à-dire, nous tournons dans Ephésiens, où Dieu a sorti levé tête au pire, puis au verset 13, puis au verset 11. Verset 11, l'on dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, revêtez-vous de toutes les âmes. Toutes les âmes ici, c'est revêtez-vous de toute panoplia. Revêtez-vous panoplia. Panoplia veut dire toutes les âmes. Toutes âmes ont besoin pour aller en combat. Il faut que tout sous. Faut que tout accompagne. Ce n'est pas une âme. Ce n'est pas deux âmes. Ce n'est pas trois âmes. Mais c'est toutes les âmes de Dieu. C'est pas sans raison, Paul dit non. Prenez par-dessus tout, toutes les âmes de Dieu. C'est pas sans raison. Dans verset 13, il dit ça pourquoi? Prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, il va falloir répondre à cette question. L'enfin comprendre. C'est toutes âmes que nous prenons, ce n'est pas de toi, c'est panoplia. Nous cherchons à identifier à travers la Bible ces âmes que les chrétiens doivent s'armer pour aller à la bataille. Pour la goumen. N'oubliez pas que goumen, sa bataille là, ce n'est pas une bataille corps à corps, même j'en ai dit ça déjà dans le premier exposé. Hein? Ce n'est pas une bataille moun contre moun, moun ak moun, nation contre nation, pays contre pays, mais c'est un combat spirituel qui est engagé. Puisque c'est un combat spirituel, Zam n'a besoin pour une bataille là, c'est Zam spirituel qui est lié. C'est pas tout type d'âme, soit âme antique dans le temps passé ou Zam dans le temps moderne. Et nous connaissons déjà fusil d'assaut, mitrailleuse et arme à destruction massive. C'est pas ça qu'on a besoin pour une bataille. C'est pas ça qu'on a besoin bon côté nous pour une goumen. Même là, malheureusement, nous avons des gens qui disent c'est pasteur ou ça ou ta dit, oui, il a invité chrétiens pour des âmes charnelles pour y aller bataille parce que la Bible n'a pas de la Bible n'a pas de pour eux. La Bible, si on s'en vient d'entre la caillou, ce n'est pas âme ça ou y aller bataille. Yo ouais kidnappé entre l'église. Donc, c'est pas la Bible n'a pas de dans le cas ça.
c'est l'autre âme pour bien savoir les âmes charnelles. Nous même, nous lisons la Bible, nous Paul dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bref, chrétien âme d'Allah, c'est âme spirituelle. Chrétien doit bon panoplie de âmes dans même panoplie, c'est-à-dire toutes les âmes pour le capable de bataille. En deux textes on saute lieu là, apôtre Paul énumère toutes âmes ça pour nous. Gen moun ki classé en 6, mais nous autres, l'un point dernier vers ça qui se fait c'est 18 là, nous l'autre grain âme qui très puissante qui vient dans nous 7 âmes que un chrétien a besoin pour le gourmet. Combien âmes spirituelles un chrétien a besoin pour le gourmet? L'a besoin 7 âmes pour la bataille. Soit pour le défendre, soit pour l'attaquer. Et bien frapper, et bien attaquer, eh bien, les gens pour le défendre. Et bien, les mêmes choses pour l'attaquer, les gens balle tout pour le gourmet. D'où les âmes du chrétien, encore les âmes spirituelles ou âmes puissantes de Dieu, yo au nombre de 7. On a énuméré l'un de les âmes du chrétien qui assuré. Premier âme, c'est la vérité. Paul dit, on a besoin de la vérité pour ceinture. Premier âme bon chrétien qui a goumen contre puissance satanique. Premier âme bon chrétien a besoin pour goumen contre la puissance démoniaque. Premier âme bon chrétien besoin pour goumen contre la puissance de l'air. Cette âme là s'appelle la vérité. Deuxième âme, même yon soldat ou mais même yon ceinture qui pour protéger, eh ben nous même chrétien âme ba nous c'est pas gros ceinture n'a besoin, c'est la vérité. Deuxième âme, c'est la cuirasse de la justice. Soldat te besoin pectoral, soldat te besoin yon cuirasse pour protéger tout thorax li et toute partie sa yon net, te besoin cuirasse. Lorsque elle lance son flèche pour cuirasse là, kembe flèche là, chrétien lui-même c'est pour cuirasse c'est besoin. Chrétien besoin l'autre bagaille qui est la justice. C'est l'une des gros âmes où chrétien doit gagner, c'est la justice. Tout ça chrétien fait, il fait dans la justice, il est juste dans sa affaire. Troisième âme, c'est zèle pour chaussures. Soldat romain, il a une grosse botte dans la piel. De même, soldat aujourd'hui, il a une grosse botte. Il a un combat, il a un engagement en bataille, il a une grosse botte dans la piel. Avec chrétien lui-même, Zampala qui s'allie, c'est zèle lié pour l'évangile. C'est zèle lié pour faire service bon Dieu. C'est zèle lié pour annoncer les oracles de Dieu. C'est zèle lié pour partager la bonne nouvelle du royaume à l'autre monde. C'est ça qui Zampam, c'est ça qui Zampam. C'est zèle lié pour faire service bon Dieu. C'est pas gros bot pour mettre dans pied nous qui fait que nous faisons service bon Dieu. Non, nous pas besoin de bot. Bot panouan qui s'allie, c'est zèle, c'est dévouement nous gagnons pour service bon Dieu. Quatrième âme du chrétien, c'est le bouclier de la foi. Bref, c'est la foi. Et soldat, gen am chanel li a qui c'est bouclier. Bouclier am dedou, c'est instrument sa roke ben nan main gauche. Lorsque ennemi a frappé yo, ennemi attaque yo, même yo pas recours avec bouclier. Nous même, kou na pare a, c'est pour un coup charnel, c'est un coup spirituel. Eh bien, le sa n'a besoin qui sa, n'a besoin la foi. N'a besoin de la foi comme zam pour nous capable bataille, pour nous capable goumen, pour nous capable engager lutte là contre ennemi. Cinquième âme, le casque du salut. C'est le salut. Chrétien doué marche à toute salut. M'a besoin de mettre un casque dans la tête pour me dire mais salut. Parce que soldat, si on lance une flèche dans la tête li, on est tête qui mène corps. Immédiatement, il attaque tête là, tout quoi attaque tout. Ou pour un coup d'épée dans la tête, ou pour un coup de revolver dans la tête tout. Il y a plus de chance pour mourir qu'on vivre. Et bien, soldat qui s'en fait lui-même, il peut un gros casque dans la tête. Lorsque tu as tiré un coup de revolver, un coup de fusil, et bien, casque là, tu es capable de protéger. Chrétien lui-même, casque pas là, c'est salut qui est lié. Donc, c'est une bataille spirituelle, on a besoin des âmes spirituelles. Sixième âme, on a besoin pour nous-mêmes, c'est ça, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Sur le plan charnel, sur le plan militaire, un soldat a besoin d'épée pour l'attaquer ennemi. Épée dans l'Antiquité, épée dans le temps. Je dis à bataille par engage avec épée encore. Quand nous connaissons gros armes à destruction massive, nous connaissons gros ouzi, nous connaissons gros coups de canon qui tirent, c'est gros coups de mitrailleuse. Mais je dis à nous, même chrétiens,
ça n'a besoin comme épée par nous. Notre épée n'est autre que l'Esprit de Dieu. N'est autre que la parole de Dieu. Paul dit, et c'est pour nous comme épée, l'Esprit qui est la parole de Dieu. Paul dit, n'a besoin de l'autre âme. Zam sont extrêmement puissante qui c'est la prière. C'est pourquoi il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. C'est pas moi qui dis, c'est dans verset 18 là nous jeune. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 18. Paul dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, prières sont gros amis, c'est ça que fait l'on a prié. Nous toujours prier une pour l'autre parce que la Bible demande nous pour nous prier une pour l'autre. Parce que la Bible dit c'est pour veiller à ça avec une entière persévérance. C'est-à-dire, en tant que chrétien, nous devons constamment rester dans la prière parce que le jour où pas prier encore. Eh bien, ou pas cap gen zam qui se prie ça pour attaquer mien, et mien capable de vaincre. Voici, mes chers amis, mes chers bien-aimés, les sept âmes que les chrétiens doivent avoir pour engager leur combat, pour engager leur bataille, leur lutte. Ce combat, comme je le disais tantôt, ce n'est pas un combat physique. Mais c'est un combat spirituel que on va engager avec l'ennemi. Ça mène nous dans deuxième point, nous dit utilité des âmes du chrétien. Nous dit l'utilité des âmes du chrétien est décrite dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 10 verset 4 et 5. Les nous lit 2 Corinthiens 10 verset 4 et 5, n'a pas Paul dit nos âmes ça nous gagnent. Mais à qui ça a servi? Mais pour qui ça faut nous gagner? Mais pour qui ça nous doit posséder des âmes? C'est eux-mêmes qui permettent nous gourmer. C'est eux-mêmes qui permettent nous remporter la victoire. Qui utilise qui rôle? Nous allons lire ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 10. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Verset se lise ainsi. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On essaye, mes chers amis, mes chers bien-aimés, on essaye de comprendre chaque élément qui constitue Zamzayo. Paul dit Zamzayo pour que ça nous gagne, numéro 1, Paul dit nous gagne pour nous renverser des forteresses. Deuxièmement, à qui ça Zamzayo utile pour que ça gagne, nous gagne pour nous renverser les raisonnements. Troisièmement, pour qui s'en zamzayo, nous gagnons pour nous renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous gagnons zamzayo tout pour nous amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, on fait exercice ensemble avec moi pour nous bien comprendre l'enseignement. Nous disons à qui sa zam sa yo utile. Nous allons dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Dans verset 4, dans la dernière partie, nous disons zam sa yo utile pour renverser des forteresses. Dans verset 5, zam sa yo utile pour renverser les raisonnements. Zam sa yo utile pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Zam sa yo utile pour qui ça? Pour yo amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que nous comprenons le schéma? Est-ce que nous comprenons l'élément? 1. Renverser des forteresses.
2. Renverser les raisonnements. 3. Renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et enfin, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Eh bien, démarche-nous qui ça le constituer. Premièrement, lorsque Paul dit nous renversons des forteresses, qui ça Paul voulait parler? C'est troisième point dans l'enseignement, renverser des forteresses. Qu'est-ce que Paul voulait enseigner lorsqu'il disait nous renversons des forteresses? C'est bien pour lire un texte, c'est plus bien pour comprendre le texte ou lire. Lisez une, comprendre ces deux. Paul dit nous renversons des réseaux, des forteresses. Nous avons des âmes spirituelles pour nous capables de faire qui ça? Pour nous capables de renverser des forteresses. Mais qui ça Paul te veut dire? Qui ça Paul te veut enseigner? Lorsqu'il dit nous renversons des réseaux de bon. Alors, pour mieux saisir le sens de ce discours, nous pourrons examiner le mot forteresse à partir du grec. Nous allons examiner le mot forteresse. Lorsque Paul dit renverser forteresse, de qui ça Paul veut parler? Donc, à partir du grec, nous sommes capables de comprendre qui ça Paul en parle. Nous disons le mot forteresse vient du grec okouroma. Le mot forteresse vient du grec okouroma. O-C-H-U-R-O-M-A. Okouroma. O-C-H-U-R-O-M-A. C'est le mot grec pour traduire. Pour traduire, c'est ce qu'on appelle le mot forteresse. À noter que c'est forteresse au pluriel. C'est important. C'est forteresse au pluriel. Bon, nous renversons des forteresses. Des forteresses se traduit en grec. Se traduisent en grec par okouroma. Donc, on est capable de comprendre qu'il y a une différence entre forteresse au singulier et forteresse au pluriel. Ah ben nous allons voir ça tout à l'heure. Entre temps, on comprend qui sa forteresse au pluriel là, le veut dire. Okouroma, pour traduire forteresse au pluriel, il signifie qui ça? Premièrement, il signifie un château, une forteresse, un fort. Lorsqu'on dit okouroma, ou dit qui ça? Ou dit un château, ou dit une forteresse, ou dit un fort. Donc, fort traduit en grec par okouroma. Okouroma. Fort, forteresse traduit en grec par okouroma. Château traduit en grec par okouroma. Mais okouroma lui-même, il est au pluriel. Deuxième signification, okouroma, et c'est ça qui est plus important pour nous. C'est ça nous qui intéresse nous dans le cadre enseignement. Okouroma signifie toute chose sur laquelle on s'appuie. Toute chose sur laquelle on s'appuie. Donc, citer toute chose, par exemple, argument et raisonnement qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant. Donc, au cours de ce sens texte là, Paul a parlé à là, l'allemand grec. On va chercher forteresse, on va prendre au pluriel là-bas au Kouroma, verset à l'appui, c'est texte ça, c'est 2 Corinthiens 10, verset 4. Nous renversons des forteresses, veut dire nous renversons au Kouroma. Des forteresses traduites par au Kouroma, qui veut dire, n'a renversé qui ça? Toute chose sur laquelle nous avons appuyé, qui bagaille nous avons cap appuyé, nous prenons exemple, nous dit argument, nous dit raisonnement, nous dit qui ça encore? Argument, raisonnement qui ont disputé la avancée pour fortifier opinion. Fortifier opinion, c'est pour rendre l'opinion forte, pour consolider l'opinion, pour le montrer où ça dit à ses saliers. Ils disent un paquet de raisonnement, ils disent un paquet d'idées, ils disent un paquet d'arguments pour le convaincre, pour le montrer où ça nous l'a, c'est ça. Paul même dit, n'a besoin d'une âme pour nous renverser. Argument ça yo, raisonnement ça yo, conception ça yo, philosophie ça yo, opinion ça yo, logique ça yo. Zam n'a besoin pour lire les âmes
spirituelle. Parce que son forteresse n'a pas renversé. Est-ce que vous comprenez? Donc, à noter qu'en grec, forteresse au singulier n'a pas le même sens que forteresse au pluriel. Forteresse au singulier n'a pas la même signification avec forteresse au pluriel en grec. Au singulier, ce mot, c'est-à-dire forteresse, il ne traduit pas parémbolé. Au singulier, il traduit forteresse en grec par parémbolé. Parémbolé, P-A-R-E-M-B-O-L-E. P-A-R-E-M-B-O-L-E. Parémbolé. C'est par parémbolé, il traduit forteresse au singulier. Qu'est-ce que ça signifie lui-même? Il signifie un campement. Exemple, le camp d'Israël dans le désert de la caserne des soldats romains qui se trouvaient à Jérusalem dans la tour Antonia, citadelle reliée au temple. Deuxième signification, Mossa qui s'est parémbolé, une armée en ligne de bataille. Une armée qui campait pour la bataille, il a dit en lycée forteresse. Mais forteresse, ça c'est au singulier, féminin singulier, il traduit par parémbolé. Yon campement, le campement des juifs, yon caserne, le caserne des romains, côté romain, yon te kon loge soldat, yon loge zam yon en Israël, à Jérusalem précisément, yon le sa parémbolé. Yon le sa parémbolé. C'est pas de ça pour la parler là. Paul dit nous renversons des forteresses. C'est-à-dire, c'est pas forteresse qui c'est caserne romain à Jérusalem, Paul dit nous allons renverser, c'est-à-dire nous allons craser. Non, c'est pas ça, Paul a dit là. Paul a dit nous allons craser caserne romain qui à Jérusalem. Il utilisait plutôt le mot okuroma qui signifie tout raisonnement, tout argument, toute logique, toute philosophie, toute conception mon appuyé pour le camper contre l'enseignement de la parole de Dieu, pour le camper contre mon Dieu, pour le camper contre le mouvement de Dieu, pas dit n'a renversé. Mais renversé avec qui ça? N'a renversé avec les âmes spirituelles. Parce que, logique, mon nom, argument la présenté, c'est l'esprit qui balle. C'est l'esprit qui suscite l'enli. Donc, ou même tu as besoin de l'esprit, mon Dieu, pour renverser forteresse ça. Pour renverser forteresse ça, c'est-à-dire pour renverser résolument ça. C'est-à-dire pour renverser argument ça mon avancé ya. Pour nous tous c'est lui qui a raison. Est-ce que nous comprenons? On a besoin de tout ça, fausse doctrine, faux enseignement que mon a présenté ba wa, on a besoin les âmes spirituelles pour contrecarrer faux enseignement ça yo, pour contrecarrer fausse doctrine ça yo. Les âmes avec lesquelles nous combattons de son acharnel, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des raisonnements. Et pour renverser des forteresses, c'est-à-dire pour renverser au kouroma, logique, mon yo, faux enseignement, yo, fausse doctrine, faux message, yo, tout ça y a vinba ou qui pas droit, faut quatre jeunes âmes spirituelles pour vous-même pour refuser. Yo. Maintenant, pour refuser forteresse sa yo, une âme n'a besoin, c'est donc l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen, amen. M'a besoin l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour qu'on renverse forteresse ça. Parce que forteresse ça, son fausse doctrine que lui, son faux message il y a, donc m'a besoin moi-même la parole de Dieu pour me contrecarrer avec lui. L'âme jeune, par exemple, yon doctrine, yon forteresse qui dit que Jésus-Christ pas retourner, pas venir sous tes péchés, ça, m'a besoin yon âme spirituelle qui se parle de mon Dieu pour me dire, ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Hein? M'a besoin d'âme ça qui se parle de mon Dieu pour me dire, non, ce n'est pas vrai. Hein? Là, vous nous dites, après, vous nous avez établi sur la terre. Après, Jésus qui l'a établi sur la terre, ça c'est faux. Il y a les ça, forteresse. Ou même, vous avez besoin d'âme, l'esprit, mon Dieu, qui c'est la parole de Dieu, pour dire non. Mais sa promesse a été faite. Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement.
et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Là, vous devez venir avec les autres dans ça, ou même faut qu'on vienne avec parole, mon Dieu, pour qu'on brise, pour qu'on renverse la forteresse. D'où la nécessité à tout chrétien pour une grosse âme ça, qui c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ou pas cadeau ces chrétiens, ou pauvre en parole, ou pas contre parole, bon Dieu, ou pas instruit en parole, bon Dieu. Pablo, nous te développer toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Hein? Pour corriger, hein? Pour convaincre, pour enseigner, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et pas à toute bonne œuvre. Donc, ces chrétiens, il faut qu'on forme, il faut qu'on ait des âmes pour bataille, il faut qu'on ait sept âmes, il faut qu'on ait des âmes pour renverser une forteresse, il y a des âmes puissantes qu'on a besoin. C'est l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Il faut que l'esprit de Dieu soit. Il faut que la parole de Dieu soit. Lorsque vous campez pour parler avec assurance. Pour ne pas venir à n'importe quel argument et puis le gazo. Non. Il faut que vous campez solidement. Il faut que vous bâtissiez sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, forteresse, il faut craser. Paul dit n'a pas renversé. Mais à qui ça n'a pas renversé? N'a pas renversé à qui ça? Faut que les âmes pour une bataille. Forteresse à son âme liée lui-même. Forteresse à son âme liée. Son âme spirituelle liée tout. Mais sauf, c'est pas l'esprit de Dieu, bien entendu. L'esprit de l'air. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Paul dit n'a pas lutté contre les dominations. N'a pas lutté contre les autorités. N'a pas lutté contre un prince. Ténèbres péché à n'a lutté contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Là où ne vient nous un bon Dieu pas venir établir sur la terre, ça c'est un esprit lié. Ça sont l'esprit qui traverse le monde. Donc pour renverser les autres dans ça, pour renverser forteresse, ça sont besoin. On a besoin de l'épée de l'esprit. On a besoin de parole, bon Dieu. Alléluia. On a besoin de parole, bon Dieu. Donc pour pas qu'un chrétien pour pas de parole. Parce que vous enseignez n'importe quoi, vous dites n'importe quoi sur mon Dieu, mais vous-même, dégagez-vous pour une grosse âme ça, qui c'est l'esprit, mon Dieu, pour capable de goûter, pour capable de bataille, pour capable de renverser doctrine ça, doctrine ça ne pas dans mon Dieu, doctrine ça ne pas camper sur rien, hein, doctrine qui a demandé pour célébrer la Pâque là, hein, faut dire parole, mon Dieu, pour dire, pour renverser la forteresse, pour dire Christ, notre Pâque a été immolé, c'est Christ qui Pâque pas, par aucune. Empereur Constantin, par aucune l'église catholique en 325 à l'occasion du concile de Nicée du 20 mai au 25 juillet 325 par une imposée la Pâque après la nouvelle lune. Donc chaque dimanche qui suivent à partir de 21 mars dimanche là c'est dimanche Pâque lié l'église catholique dit nous sommes célébrés forme que commémorer la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit Christ mourit, c'est lui qui Pâque pas même pas célébrer aucune Pâque encore. Donc, il faut me baiser, il faut me parler de Dieu pour me renverser les autres dans ça. Mon apôtre la Noël, bon, moi, pour me célébrer. Il faut me donner la parole de Dieu pour me renverser les autres dans ça. Hein? Il y a pour te battre un petit bébé pour moi. Hein? Il faut me donner la parole de Dieu pour me renverser les autres dans ça. Nous renversons des forteresses. Ça, Paul dit encore. Paul dit, nous renversons des raisonnements. Quatrième point de notre enseignement. Nous renversons des raisonnements. Renverser des raisonnements. L'apôtre continue pour dire que nous renversons les raisonnements. En recherchant l'origine grecque du mot raisonnement, nous voyons qu'il se traduit par logimos. Lorsque Paul dit nous renversons des raisonnements, dans le texte ça, 2 Corinthiens 10, verset 5, là, nous renversons les raisonnements. Raisonnement se traduit en grec par logimos. Logimos, L-O-G-I-M-O-S. Qui ça logimos ça signifie? Il y a trois significations. Il signifie un calcul, une supposition. Nous disons logimos qui c'est raisonnement. Nous renversons des raisonnements. Il y a trois significations. Première signification, un calcul. Une supposition. Deuxième définition, deuxième signification, un raisonneur. Tel quelqu'un hostile à la foi chrétienne.
un raisonneur. Exemple, un monde qui hostile à la foi chrétienne. Avec foi chrétienne, n'a pas de comme ça même. Avant Jésus-Christ a tourné, il faut servir bon Dieu. Avant bon Dieu, tu as créé la terre, etc. N'a pas de comme ça lui-même. Monde ça hostile à la parole de Dieu. Le monde ça raisonneur. Monde ça a des raisonnements, il y a une logique, il y a une philosophie. Pour montrer à faire bon Dieu, Dieu n'a pas existé. Avec bon Dieu, tu as créé Adam. Il y a même venu dans l'autre logique. Il y a venu à la théorie de Darwin. L'homme vient du macaque. Il y a venu à la théorie de Big Bang. Hein? C'est tous les astres qui existaient et qui étaient explosés ensemble. Et puis, les fin d'exploser, ils nous baillent l'homme. Hein? Donc, ça aussi, raisonnement. Raisonneur, ça y est, ils même sont hostiles à la foi chrétienne. Troisième définition, troisième signification, logimos là, qui c'est raisonnement. Un jugement, une décision. Suite à une prise de conscience. Donc, nous comprenons par là que les hommes s'appuient sur les raisonnements ou leur logique pour contrecarrer le mouvement de Dieu. Pour contrecarrer le mouvement de Dieu, pour contrecarrer le ministère de Dieu sur la terre. Bref, pour contrecarrer l'église de Dieu. Les hommes utilisaient logique, ils utilisaient pensée, ils utilisaient savoir, yo. Pour pouvoir mon Dieu pas exister. Pour pouvoir parfois chrétien ou abdi là-bas, il va être comme ça, c'est blague, c'est perte de temps. Car tu nous as perdu du temps. Moi, même mon l'air, me dégoise avec un monsieur, Haïti, c'est ton ancien bon ami. Tu es directeur d'école à cette époque, je suis suivi en général à l'école. Ça nous croise ensemble. Et un jeudi soir, je suis sur une étude biblique. Je dis, la Bible est même dans la caille. Je dis, oh, gars, il n'y a pas toujours dans ça toujours. Alors, nous n'avons pas ça toujours. Donc, ça, c'est un raisonneur. C'est un raisonneur. Il vient avec logimos lia, c'est-à-dire avec logique lia, avec raisonnement là, pour montrer que mon Dieu m'a servi à, c'est une perte de temps lié, pour montrer que son grand raisonneur de lui-même lui opposé à la foi chrétienne. À la vérité, cet homme-là, et souvent, moi, l'a béni mon Dieu sur Facebook. Ça fait plaisir. Moi, l'a béni mon Dieu sur Facebook, les États-Unis, mon Dieu, qu'elle font beaucoup de travail dans la ville, ça fait plaisir. Donc, c'est clair. Lorsque Paul dit nous renversons des raisonnements, c'est-à-dire tout calcul, tout ça qu'on a supposé pour montrer que mon Dieu pas existé, hein? Tout ça la vie, toute logique, toute tactique, ou même faut ou camper ferme, faut qu'on ait la foi, parce que Wally c'est dévié la, c'est Wally c'est dévié foi chrétienne ou Wally c'est oh, hostile à la foi chrétienne, ou même les ça faut qu'on joue un bouclier de la foi. Pour capable éteindre ça mon a piqué baoua hein là l'école on a classe philo professeur philosophie ou a dit bon Dieu pas existé etc. Ou la bonne la diplomatie ou les sciences politiques y a enseigné la philosophie politique pour montrer à faire bon Dieu c'est blablabla que lié moi même mon professeur qui dit jeune petit garçon tant comme bien formé bien instruit de qualité de société arrive le bon Dieu là pour la bible est là hein jeune petit garçon tant comme mon cher ou bien formé bien instruit. On a parlé de bon Dieu. Pour lui-même, bon Dieu son jouet, Jésus son jouet. Mon sali vient avec logimos lia, raisonnement là, pour le faire quoi le contraire. Laisse ça ou même, faut qu'on ait bouclier de la foi pour qu'on ait ça, boulette ça, et m'y a tiré sous. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu, béni soit l'éternel. Hein? C'est dans ce sens ça, Paul dit. Pour le déclarer avec fermeté, nous renversons les raisonnements. Hein? C'est parce que le connaît grand pile logique qui a venu. Logimos. En pile raisonneur. Il y a montré pas A plus B, bon Dieu pas existé. Il y a fait gros calcul avant. Ou même tête ou ferme. Ou même qui pas bien planté sur le fond des apôtres et des prophètes. Il y a parti avant. Hein? Il y a parti avant. Oh, oh ça dit, c'est vrai, oui. Il y a parti avant. C'est pas sans raison pour le dire. Nous renversons des raisonnements. Paul dit également, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. D'où notre quatrième point, toute hauteur. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Toute hauteur qui campe contre connaissance de Christ là, faut qu'on ait une âme pour bataille pour capable renverser.
on n'a pas qu'à mon petit critique qui vient dans sa baba ou là, il y a une partie de la tête. C'est-à-dire que l'on lit la Bible, eh bien, cet enseignement et cette ordonnance, bon Dieu te bali pour le monde qui était en esclavage en Égypte. Les bon Dieu pour la Pâque, les bon Dieu pour le monde qui était esclave en Égypte, les bon Dieu pour le monde qui ça. N'a conservé le souvenir de ce jour et n'a commémoré par une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, je n'étais pas en Égypte. Je suis haïtien. C'est en Haïti mieux, c'est en Haïti sorti. Je suis haïtien, je suis en Égypte. Donc, je suis pas en loi, bon Dieu, c'est un peuple qui est en esclavage pour mettre le sous dôme. Donc, au même, on a besoin de parole, bon Dieu. On a besoin d'âme spirituelle pour être capable de renverser hauteur ça qui élève contre connaissance parole. Alors, en enchaînant dans ce discours, Paul avance en ces termes et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Le mot grec utilisé ici pour traduire auteur est oupsoma. Oupsoma. Lorsque Paul dit, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur, auteur ici se traduit par oupsoma. Comment oupsoma s'écrit? Ou qu'a dit tout oupsoma? H-U. P-S-O-M-A. H-U-P-S-O-M-A. Upsoma et signifie une chose élevée. Hauteur. Upsoma signifie une chose élevée. C'est la même hauteur, bien haut. Il signifie hauteur. Hauteur, ça, c'est pas hauteur qui écrit le livre, non. Là, on dit tout hauteur. Il n'y a pas tout le monde qui écrit le livre, non. Hauteur, ça, c'est H-A-U. T-E-U-R, la hauteur. Paul dit, nous disons, hauteur, il sorti dans le grec là, ou soma, qui signifie, un, chose élevée, deux, hauteur. L'on parle de choses élevées, nous parlons d'hauteur, nous avons par exemple un espace, une structure, rempart de préférence, muraille, on muraille, mais hauteur, mais à la élevée de mes hauteurs, je traduis en grec par oupsoma. Paul dit, nous renverser, nous renverser toute hauteur, toute miraille, tout rempart, toute hauteur, tout ça qui levait bien haut, qui campait en face connaissance Christ. Paul dit, faut que nous renverser. Hein? Paul dit, nous devons renverser. Faut nous renverser. Donc, lorsque Paul dit ça, Paul devait dire, nous renverser enseignement. Yo. Parce que lui dit, la renverse, c'est toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire toute bagaille qui campe, toute philosophie qui campe contre la puissance de Dieu, contre la parole de Dieu, contre l'enseignement de la parole de Dieu, contre la bonne doctrine, contre la saine doctrine. Faut que nous soyons capables de renverser hauteur ça. Nous avons un discours, mais hauteur. Nous avons un grand discours, un grand discoureur. La contre, oh bon Dieu, pas exister. Hein? La montre a fait ça, lui a déjà fait mort pour ressusciter. Ça c'est blablabla. La montre pour mourir, tout le bagage est fini. Mais il faut qu'à dire, à un signal de Noé, à un signal donné à la voix d'un accueil, descendra du ciel. Le Seigneur lui-même, la descend. À un signal donné au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Tu es allé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Excusez-moi, dans les airs, et nous serons tous. Et nous sommes toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles les uns les autres. Hein, Paul m'a dit non pour nous consoler, non pas parole ça. Parce que qu'on le veut ou non, les morts viennent pour ressusciter. Paul dit, si moi ou pas ressusciter, Christ dit même tout pas ressusciter. Ah mais prédication non lui vaine. Donc il faut croire dans la parole ça. Il faut croire que Jésus-Christ a retourné sur la terre. À la fête des tabernacles. Hein? Pour engager la bataille d'Amagedo, pour mettre fin à cette bataille, pour nous capables d'entrer dans le règne millénaire, après le règne 2000 ans de Christ, pour entrer dans le jugement du grand trône blanc, et pour entrer dans l'éternité bienheureuse sur la terre. Donc, faut ou planter dans la connaissance parole de Dieu. Lorsque Othé a venu, l'ennemi Othé a venu avec une grosse philosophie, une grosse raisonnement, ou même faut qu'il renverser avec parole de Dieu. Hein? Paul dit, pas aucune hauteur qui cap séparer avec ça, l'apprendre dans mon Dieu, avec grâce, mon Dieu, avec l'amour, mon Dieu, avec parole, mon Dieu, qui te manifeste pour lui. Rien pas cap séparer. Donc, lorsque mon avis avec philosophie, il vient avec hauteur, avec profondeur, vous devez avoir les âmes de Dieu pour renverser
ces logiques-là, ces raisonnements-là, cet auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Mon avis avec Charabia devant, pour la parole de Dieu, ou même fois qu'à renverser auteur ça. Hein, nous renversons les raisonnements. Nous pas renverser les raisonnements seulement, nous pas renverser toute hauteur ou psoma qui s'élève contre la connaissance de Christ. Il faut une capacité pour renverser. C'est ça nous jouons dans Romains 8, versets 38 et 39. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Qui ça nous lit dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39? Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est clair. Pas qu'il n'y ait rien, pas aucune hauteur, pas aucune domination, aucune puissance, pas aucune créature qui cap séparer nous de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ notre Seigneur. La hauteur a vini, la opsuma a vini, faut nous capables chasser avec l'esprit bon Dieu, avec les âmes spirituelles. Nous disons pour que le chrétien soit capable de lever contre hauteur ça yo, le chrétien il y a besoin des âmes spirituelles. Ces âmes pourront aussi aider à amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous avons besoin des âmes ça yo, non seulement pour nous contrecarrer toute hauteur qui élevé ou qui mettait au meilleur terre, il y a tellement de savoir, tellement d'intelligence, il a gonflé quoi yo, hein. Paul dit, youn, domination, chose présente, chose à venir, profondeur. Rien dans siècle ça pas cap séparer nous avec l'amour bon Dieu gain pour nous, avec grâce bon Dieu. Donc c'est l'esprit bon Dieu pour nous, c'est les âmes spirituelles pour nous lorsque bagage ça venir pour nous qu'une capable renverser. Non seulement d'avoir renversé tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, Paul dit également, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alléluia. Paul conclut pour dire que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Question n'a posé d'être nous comment? Comment n'a capable amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais avant tout, amener toute pensée captive en ce sens veut dire l'amener prisonnière à la parole de Dieu. Amener toute pensée captive. Comment on est capable d'amener toute pensée captive? Juste avant de dire, on comprend comment on est capable d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Faut qu'on comprenne qui ça veut dire amener toute pensée captive. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ veut dire amener toute pensée prisonnière à la parole de Dieu. Toute philosophie, toute idée, toute imagination, tout vieil esprit, tout ça Satan capable porter ba ou, faut qu'on capable marrer ou, faut capable mettre en prison. C'est rendre prisonnière hein à l'obéissance de Christ. Mettez tout en bas pouvoir l'esprit de Jésus-Christ. Mettez tout en bas la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que Paul dit. Nos âmes ont toutes pensées captives à l'obéissance du Christ. Donc, nous comprenons bien. Lundi, âme de toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Exemple, nous dit Jodia, Satan emprisonné en pile monde, les non-croyants. Il y a un pile monde qui emprisonné. C'est-à-dire qui en bas prison, qui captivé par Satan, les non-croyants. Ou parle de Jésus, pas comprenant et du tout, ou parle de saut dans les yeux, entre nos oreilles, saut dans l'autre. Pour qui ça? Parce que Satan lui-même qui est captif. Satan qui est bien pensé, moun sa yo captif. Il n'y a pas penser bon bagay. Il n'y a pas penser au royaume. Vous ne parlez de Jésus qui s'est retourné, vous ne comprenez pas comme ça. Il n'y a pas d'accord avec vous. Pour qui ça? Parce que Satan qui est bien pensé captif. Hein? Satan qui est bien pensé captif.
L'apôtre Paul a bien compris lorsqu'il s'est exprimé en 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Nous voyons comment Paul dit ça. Alors, nous avons vu ça pour nous qui ça. Nous avons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous disons comment nous sommes capables d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous disons d'abord, amener toute pensée captive, qui ça, ça signifie? C'est prendre toute pensée, c'est mettre en prison, c'est rendre prisonnière, rendre dépendante par rapport à la pensée, par rapport à Christ. Rendre obéissant, rendre toute pensée obéissant à la parole de Christ. Rendre toute pensée prisonnière pour accepter parole-là. Mais nous disons, monde qui parle en bon Dieu, les non-croyants, monde qui pas fait service bon Dieu, Satan lui-même lui occupe esprit moun sa yo. Satan lui-même lui occupe pensée moun sa yo. Et ça fait pensée moun sa yo pour aller uniquement vers le mal. Il va pas faire rien parce que Satan kembe yo. Nan gorge, Satan pingle yo, nan tout fait yo. Pensez au sale, pensez au souillé. Pas rien de bon Dieu dans pensez au. Parce que pensez aux prisonnières. Satan captive pensez au. Leurs pensées sont prisonnières. Nous disons ça fait apôtre Paul, il dit ça clair. Non. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Qui ça nous lit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4? Paul dit, si notre évangile est encore voilé. C'est quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile là, qui n'a pas compris la puissance de l'évangile là. Hein? Parce que Satan captive pensée. Satan emprisonne pensée. Paul dit, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ce sont les non-croyants. Ceux qui périssent, ce sont ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux qui périssent, ce sont les enfants du monde. Ceux qui périssent, ce sont les enfants du diable. Paul dit, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan, mes bien-aimés. C'est le dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Donc Satan bouchait l'intelligence, mon Dieu. Satan, hein? Pas quitter moun sa yo comprendre rien nan rien pour ta venir servir mon Dieu. Hein? Paul dit si ou l'évangile la voile pour yo, c'est parce que Dieu siècle la aveuglé intelligence yo. Donc yo pas cap comprendre rien, yo pas cap faire service mon Dieu parce que sans penser au captive. Hein? Parce que captive yo pas cap gloire bon Dieu cap briller dans la vie moun qui c'est mon bon Dieu. Non seulement les non croyants, les incrédules, Satan kembe pensée ou captive. Satan même tenté pour captiver les pensées des enfants de Dieu. Moun ka fait service bon Dieu qui dans l'église. Satan pote imagination ba yo, la pote vieux l'esprit ba yo, la pote vieux désir ba yo pour être capable quitter service là. Moun parle yo, li aveugle l'intelligence pour pas l'évangile ka brûler du tout. Parce que kembe pensée moun sa ou captive. C'est Satan qui a dit mais comment pour nous penser, mais comment pour nous raisonner, mais comment pour nous agir. Donc, il n'y a pas de lumière, l'évangile qui a brillé. Mais même les gens dans l'église, les croyants, même les gens qui ont servi mon Dieu, Satan tout l'a tenté pour que tu apprennes mon Dieu. Pour que tu te penses, imagination, ce qui a passé dans le monde, il y a des gens qui ont servi mon Dieu, il y a des gens qui ont servi mon Dieu, il y a des gens qui ont servi mon Dieu, il y a des gens qui de quoi ça m'a fait là? Qui problème n'y a rien? Est-ce que la Bible dit? Ou quand ça qui passe? C'est Satan qui commence à jouer dans Maïli. Satan a joué dans l'esprit. Satan a joué dans pensée. Satan commence à occuper quelques espaces dans pensée. Moun sa presque captivé totalement par Satan. C'est ça nous lit dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 4. Nous allons comprendre ça bien. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4. Hein? Parce que Satan lui-même a travaillé pour amener toute pensée monde qui a fait service bon Dieu captive. C'est-à-dire pour éloigner de bon Dieu. Ou commencer par un goût pour service bon Dieu encore. Ça qui a passé la carrière bon Dieu, commencer par intéresser encore. Ou quand ça qui a passé, ça fait ça. Parce que Satan a joué dans pensée. Satan a commencé à captiver pensée. L'a attiré. L'a attiré. Bon, c'est des belles bagailles. Hein? Qui dans le monde là. Ou même ou commencer à prendre un jouet là. Hein? Ou prendre un piège là. Hein?
qu'on y a la fausse homme commence à envahir, faux enseignement commence à envahir, ou commence à faire Jésus-Christ à venir, ou même quitter qu'on a baissé, commence pas quoi encore. Hein, ou te quoi font pour mon baptiser faut qu'il pour mon sauver faut qu'il baptise, c'est ça la parole dont Dieu dit. Quand on commence à prononcer l'autre doctrine qui doit sous baptiser ou cap sauver, sous pas baptiser ou pas sauver. Tandis que Jésus-Christ dit mon qui baptisé, c'est mon qui croit l'a baptisé, l'a sauvé. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire parler devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Lorsqu'on a parole ça, à un moment de la vie, on commence à prononcer des fausses doctrines, faux enseignements, c'est Satan qui commence à emprisonner pensée. Il commence à captiver pensée. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4, Paul dit nos paroles ça. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous te présentez au Jésus, vous commencez à prendre l'autre Jésus. Vous commencez à prendre Jésus qui est la troisième personne de la Trinité. Ou contre Jésus, ou te crois que Jésus-Christ n'est pas une troisième personne de la Trinité. Maintenant, commencez à y a bon l'autre Jésus, Abdou Jésus. Est une troisième personne de la Trinité. Il commence à bordeauter l'église catholique là, qui était instaurée en 325 à l'occasion du concile de Nicée. Il commence à prier ça. Il commence tout le prier à dire gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Il commence à dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Il commence à dire ça. Parce que vous enseignez dans l'autre l'évangile que ça Paul t'a enseigné. Que l'évangile apporte au théâtre. Ou commence à prononcer de l'autre l'évangile. Ou commence à prononcer l'autre Jésus. C'est pas parce que bon l'autre Jésus, nous avons seul Jésus. Mais lorsque vous prononcez l'autre enseignement, qui pas enseignement que Christ lui-même lui a enseigné, qui pas enseignement que apporte au théâtre enseigné, c'est comme si vous venez prononcer l'autre Jésus. Mais Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, qui est maintenant au ciel, et qui reviendra bientôt pour rétablir le royaume d'Israël là. Ou vin pa kwè la dan encore vin kwè non l'ordre de Jésus. Hein? Ou même quitter l'église là qu'on a ça qui passé parce que Satan commence à occuper penser. Satan commence à occuper imagination. C'est ça Paul dit là. Paul dit vos pensées, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Hein? Satan commence à penser qu'on y a là. Il commence à captiver penser. Paul dit nous autres, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là, vous devinez avec fausse pensée, ça y est, fausse doctrine, ça y est, faux enseignement, ça y est, ou même qui bâtit l'enseignement de la parole de Dieu, ou même qui bâtit dans la sagesse de Dieu, faut capable amener penser ça y est captive. Amener captive veut dire amener aux prisonnières à la connaissance de Christ, amener aux prisonnières à la bonne doctrine, amener aux prisonnières à la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au lieu c'est eux-mêmes qui rendent pensée aux captifs, c'est eux-mêmes qui captivent l'esprit. C'est les prisonniers l'esprit, ou marier l'esprit ça, hein? Ou renverser ou quelque part. Si quelqu'un vient à vous, alléluia, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous. Si on veut la chaos, c'est pas doctrine qui s'avine dans le Seigneur, il vient enseigner n'importe quoi. Parce que mon nom dit, mon nom vient enseigner n'importe qui, j'en lui ai sauvé.
de vous ou payer offrande là bien on paye dîme là bien ou c'est bon chrétien pour lui donc ou cap bien la vie éternelle. Pensez ça yo c'est Satan qui baille l'évangile ça yo c'est Satan qui baille hein Paul vient quoi dans l'autre l'évangile ou vient quoi que pas une résurrection encore ou vient quoi que mort pas ressusciter encore ou vient quoi mon Dieu pas établi sur la terre encore le monde c'est pas la caille dans ciel là m'a laissé là dans vient quoi qu'on y a là. Hein? Depuis mon nom mouri, ou bien dit mon sa gata les bras de Jésus en l'air. Mon sa gata pompé, ou vin quoi na baye sa yo. Et on a ou vin quoi? C'est on l'autre l'évangile. Que l'évangile de notre Seigneur sauveur Jésus-Christ. Ou même mon Dieu, le même mon Dieu bâti, mon Dieu formé, faut cap amener penser sa yo captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, merci Jésus. Merci Jésus. Comment on est capable d'amener penser ça au captif à l'obéissance du Christ? Pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ, le chrétien a besoin des âmes spirituelles. Le chrétien a besoin des âmes spirituelles pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Ce faisant, ses pensées seront occupées par les choses spirituelles. Et Satan n'aura pas d'occasion de captiver leurs pensées. Hein? Satan n'a pas dit occasion pour captiver pensée. Parce que pensée est occupée par la parole de Dieu. Hein? Ou des âmes spirituelles pour goumen, ou bataille. Hein? Tout espace pensée occupé par des choses spirituelles. Parce que vous avez des âmes spirituelles pour lutter, pour combattre. C'est ce que Paul exprime aux Philippiens dans le livre des Philippiens. Chapitre 4 au verset 8. C'est notre dernier texte n'apprend pour mettre fin dans l'enseignement. Je dis dans la deuxième partie enseignement. Philippiens 4, le verset 8. Alléluia. Alléluia. Qui ça nous dit? Au reste, frères. Au reste, frère, Paul te commence son discours plus haut. Eh bien, Paul a fini discours. Paul a dit quelques mots en plus. Paul a conclu discours. Paul dit au reste, frère. Donc, c'est pas Paul pas parler c'est là avec frère au reste, s'il vous plaît. Au reste, virgule, frère. C'est pas au frère au reste, non. Il y a un pasteur, il y a un monde malheureusement, il a interprété comme ça. Et frère au reste. Non. C'est Paul te bon discours, la fin discours. Maintenant, il dit, mais reste là. Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Pensez au même qui s'est occupé en tant que chrétien. Pour capable renverser, pour capable amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, pensez au même qui doit occuper par l'autre bagaille en tant que chrétien. Donc, on a besoin d'âmes spirituelles pour que pensez capable occuper par l'autre bagaille. Pour dire, c'est pour tout ça nous sommes dit là. Capable l'objet pensée, c'est-à-dire ce pour qui contrôle pensée, pensée de prisonnière, pas bagage ça, qui s'allie, tout ça qui est vrai, eh bien, ma besoin de gros âme là, tout ça qui est vrai, la vérité, pour dire la vérité pour ceinture, ou gros âme a besoin là, pour me capable mener tout, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ma besoin de gros âme là, la justice, tout ce qui est pur, la pureté, tout ce qui est aimable, l'amour, tout ce qui mérite la, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà, mes chers amis, chers bien-aimés en Christ, notre deuxième partie de notre enseignement, les âmes du chrétien. J'espère que mon Dieu bénisse chacun de nous. J'espère que nous te comprenons, deuxième partie enseignement, et nous appliquer dans la vie nous, pour que nous soyons capables de continuer à faire route là avec Christ, lorsqu'il va retourner dans la gloire. Nous même tout, nous va entrer dans la gloire ensemble avec. C'était avec vous, votre ami, votre serviteur, votre homme serviteur, Jean-Gary Bonheur. Que bon Dieu bénisse.
Amen, alléluia. Nous saluons tous les amis sur Facebook. Il y a plein de gens qui sont allés. Nous saluons tous. Nous espérons que bon Dieu bénisse nous. Et nous avons jusqu'à présent là, Frère Patrick Bonheur, depuis le Canada, qui nous salue. Nous avons Natacha Paris. Et nous saluons Natacha Paris. L'innocent des ondes, depuis Chili, nous saluons. Bon Dieu bénisse nous, innocent des ondes. Et bien innocent, Fred Stanley Pétion, depuis la République d'Haïti. Radio Kingdom FM, nous saluons. Fred Stanley Pétion, journaliste à Radio Kingdom FM. Nous saluons qui est encore qui l'a fait, qui est bonhomme. Fikia Bonhomme, nous saluons. Prenol Prélus, depuis le Brésil. Nous saluons toute famille. Que grâce, mon Dieu, était ensemble avec nous. Amen, hallelujah. Nous saluons qui est encore là, ensemble avec nous. On a vérifié. Nous saluons Deschnel Pierre. Bon Dieu, ben non, Deschnel. Nous saluons qui est encore. Et bonjour Benoît, innocent des ondes, et innocent depuis le Chili, Radio Télé La Ronde, Lionel Beauval, nous saluons Lionel Beauval, merci beaucoup, merci. Lionel, je l'ai remis étude là, félicité étude là, les mêmes paroles là. Jean-Bernard Gironde, mon cousin, me salue, bonjour Benoît, que grâce, bonjour, être ensemble avec vous. Manis Rigaud depuis le Canada, et Franson Laurent Louis, il même n'est pas jamais pas présent, bonjour Benoît. Et nous avons également Mackempès Saint-Louis. Bon Dieu, nous Mackempès Saint-Louis. Nous avons Jean-René Gironde qui est ensemble avec nous depuis les États-Unis d'Amérique. Ça fait longtemps que nous avons Jean-René Gironde ensemble avec nous. Et l'occupation ne permet pas ça. Et bon Dieu, permet que Jean-René Gironde un peu libre. Il est ensemble avec nous. Nous saluons Jean-René Gironde. Et dans la zone Key West. Et merci, merci, Abby. Abby Innocent pour toute pile soyeux. Merci beaucoup. Ah ben nous saluons tout l'autre monde qui était ensemble avec nous mais qui pas de font commentaire. Généralement les gens ne pas font commentaire, nous pas ouais si là bas live là. Nous pas si là dessus. Donc nous espérons bon Dieu bénir nous tout ensemble, n'a prêté là pour aujourd'hui. C'est pour grâce bon Dieu rester ensemble avec nous. Bye bye, à dimanche si Dieu veut. Et bonne semaine.